Ah. Voici un châssis intrépide de 2010. Il est passablement limé dessous. C'est un châssis de Casa de 125. Bon, j'ai coupé le châssis ici pour récupérer la rotule. Et il était tellement limé que j'étais curieux et je l'ai passé à la disqueuse pour voir un peu la tronche du tube à l'intérieur. On peut voir qu'il était limé à peu près sur 17 mm. Voilà. Et on peut voir un peu l'intérieur du tube là. Il reste un petit peu, hein. Là il doit rester 1 mm à peu près de tube. En fait il est enfoncé et limé en fait. Voilà. Il roulait encore le châssis avant de le couper. Bon là il a été ressoudé, hein. Il était cassé. Mais le plus rigolo, c'est quand j'ai placé la règle là et que j'ai mesuré ici et que j'ai mesuré ici comme ça, je me suis rendu compte que le châssis était complètement affaissé en fait. Voilà, en mesurant comme ça par rapport à l'autre, cette côte, il s'est complètement affaissé. Voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps il faut changer les tubes. Celui-là, c'est le châssis le plus pourri du monde. Hein. Un Intrepid Sirius. Voilà. Je souligne que c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état-là, je l'ai acheté d'occasion. En sachant que le châssis était mort. Hein. Juste en passant la main dessous comme ça, il n'y a pas la peine d'être champion pour se rendre compte que le châssis était HS. Enfin, c'est quand même difficile à croire que ce châssis avec 2 ans, quoi.